La villa d'Aix sur Brisée 4, Chloé, Paga n'est pas mon ex. Chloé Copé s'est confiée sur sa relation passée avec Paga dans les Marseillais Australia au micro de Samzira. Révélée dans les Marseillais Australia et Game of Clone, Chloé Copé a déjà eu le droit à une première love story en se rapprochant de Paga. Malheureusement, leur idylle n'aura été que de courte durée. Aujourd'hui comblée avec son petit ami Virgile, la candidate s'est livrée sur ce rapprochement au cours d'une interview accordée à Samzira. Chloé Copé se confie sur Paga et son célibat. L'année dernière, la jeune femme participait au tournage de la Villa des Cœurs Brisés 4. Entre deux clashs, Chloé Copé s'est rapprochée de Virgile. Aujourd'hui, elle est revenue sur sa longue période de célibat et a raconté. Paga ce n'est pas mon ex, ça a duré 48 heures et, je n'ai pas eu de relation pendant 720 jours et, la première année, ça me manquait pas parce que j'avais besoin de faire le deuil de cette relation et, là, oui ça a commencé à me manquer. À la fin c'était long. Chloé Copé complexée avant le tournage. D'ailleurs, elle s'est également confiée sur sa problématique amoureuse. Mes complexes sont apparus quand j'avais 14 ans. J'ai commencé à ne pas prendre de poids ni de forme comme mes copines. J'ai fait des choses dont j'ai honte aujourd'hui et, au collège, j'avais mis deux jeans pour avoir des jambes plus grosses. Plus le temps passait, plus on me pointait du doigt. À force qu'on nous le répète, on se sent comme ça et, j'ai eu de la critique venant de garçons et de filles. Ça venait de tous les côtés et, c'est important d'en parler parce que je ne suis pas la seule à en souffrir et, on est autant critiqué que quelqu'un qui est en surpoids et, j'ai besoin de montrer que je suis là et un réconfort pour ces personnes-là. Cette émission m'a aidé car c'est plus facile quand tout le monde sait. Bon et bien c'est un happy end pour la candidate de la Villa des Cœurs Brisés 4.